Je m'appelle Dominique Larocque et je pratique le hockey sur luge. Tout a commencé, en fait. J'étais militaire, j'étais déployé en Afghanistan. J'étais blessé en mission, ce qui a fait en sorte que j'ai perdu la moitié de ma jambe gauche au-dessus du genou. Puis, avec le programme Soldier On, j'ai eu la chance d'assister aux Jeux paralympiques de Vancouver en 2010. J'ai eu la chance de voir plusieurs athlètes, de parler avec eux, d'essayer différents sports. Puis c'est à ce moment que y a eu un peu la piqûre, quand j'ai eu la chance d'avoir les premiers matchs de hockey sur luge. Ma motivation, en gros, c'est la médaille d'or au prochain Jeux paralympiques. Je dirais que c'est le seul objectif que j'ai pas encore atteint, si on peut dire. J'ai gagné le championnat du monde, j'ai gagné plusieurs tournois internationaux, j'ai une médaille de bronze aux derniers Jeux paralympiques à Sochi. Mais j'ai la motivation d'aller chercher une médaille d'or. Le côté famille de l'équipe qui fait qu'il y a comme une énergie qui à l'intérieur de tout. On fait tout un peu les mêmes sacrifices. On a tout un but en commun, puis ça nous pousse à aller tout ensemble chercher ce qui nous manque.